écoute, vous voyez là où nous sommes. Ce monsieur-là, Boaz, tu vas aller glaner sur son champ. Mais quand tu vas aller, fais attention à la manière dont tu vas glaner. Entre dans ton mariage avec prudence. Entre dans ton mariage avec compréhension. Aller et tout. Et au pays de l'homme au zombie. Non. Voilà. Dans ton quartier, dans ta famille même, il y a que ceux-là qui savent que je sais. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. Tu étais en compétition, auquel la couronne est venue sur toi. Et cette couronne-là, tu l'as réussie au travers de l'illustration de ces textes. La Bible est en train de dire que Ruth est venue glaner, mais elle n'était pas la seule. Il glanait plusieurs. Naomi lui coach. Il faut que tu aies des consignes. Il faut que tu suives des consignes, des bons coachings. Oh, ne va pas. Écoute-moi très bien. Tu auras plusieurs coachs en cascade. Comment? Il y a chaussée. Ok, il va là. Au moins, il va là. Et ça l'a pas bouilli. 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 Plusieurs coachs. Le meilleur coach que tu vas entendre plus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs vont te parler, vont te dire des choses. Mais celui qui te dira la bonne parole, c'est Jésus. Et ça sera parmi le meilleur cadeau que nous allons vous donner, qui va vous servir en s'enrichir et en s'enrichissant. C'est premièrement d'abord. Vous savez, plusieurs lorsqu'ils se marient, aujourd'hui là, c'est meilleur. C'est la meilleure journée. Quand Naomi était en train de dire à Ruth, écoute, tu vas aller là-bas. Il faut que tu observes très bien. Quand tu vas observer, tu remarqueras là. Ne faites pas comme tout le monde. Pour quelqu'un qui sont dans les mariages, mais ils ne sont pas dans les mariages. Vous savez, 90% des couples aujourd'hui, ils sont dans les mariages, mais ils ne vivent pas le fruit du mariage. Il faut que tu saches une chose. Le vrai fruit du mariage, c'est d'abord la paix. Il faut que tu cherches la paix. Pourquoi tu aimes ta femme? Et qu'est-ce qui te pousse à l'aimer plus? Je dis, je l'aime parce que je l'aime. Il me dit pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te pousse à l'aimer encore de plus? J'ai dit oui. C'est quoi? C'est sa personne. Bonjour. Aujourd'hui, cette femme, elle est très belle. Un jour, tu vas remarquer, Jocelyne est en train de préparer. Parfois, des yeux qui m'aiment de l'autre. Assis qui est l'autre du monde du bas. Si tu aimais sa figure, tu vas la capter. Faut que tu aimes sa personne. Si tu aimes sa personne, même si tu marches en cours de route, tu vois les plus belles qu'elle. Mais les plus belles dans l'amour n'existent pas. Les plus belles dans l'amour, c'est ta femme à toi. L'homme quittera ça, son père et sa mère s'attachera à sa femme. Le type 2 est bien bon, une seule chair. Monsieur Borjola Makengo, laissez-le. Thank you.
j'ai tant entendu. Plusieurs le rêvent. Plusieurs les calculent. Plusieurs disent même que, est-ce que, quand est-ce que ça viendra? J'ai dit seulement ceux-là qui disent cela, attends ton tour, le panier sur qui l'emporte. Attends ton tour, le panier sur qui l'emporte. Nous voulons bénir ces mariages. Nous voulons donner quelques lumières. La bénédiction nuptiale ou la bénédiction de l'église, nous avons les mariages civils coutumiers d'abord, nous avons les mariages civils et nous avons les mariages religieux. Coutumier, on repart avec la famille. Et religieux, civil, on repart avec l'État. Et religieux, on vient régler avec Dieu. Pourquoi régler avec Dieu? S'il y a eu des à côté, du côté spirituel, c'est Dieu qui les arrête aujourd'hui. Ils vont se dire des mots, ils vont se parler, et par la grâce de Dieu, ils sont là. Nous avons le pays. Vous allez dans des églises auxquelles vous voyez les gens de voix tout bénis, ils portent des touches, ils prennent des écoutes pour bénir. Ce sont que des habits sacerdotales. Je voulais mettre un point sur ça. Peut-être il y a des catholiques qui sont parmi nous, il y a des protestants qui sont parmi nous. Nous disons, ce sont que des vêtements sacerdotales. Ce sont que des habits qui étaient destinés à l'Ancien Testament. Selon la culture juive, chaque civilisation a sa culture, chaque nation a sa culture. Et nous disons, ce qui compte, c'est bénir le marié. Ce qui compte, c'est la bénédiction. Raison pour laquelle vous ne voyez pas en touche. Bonjour, là. Lève ta tête. Regarde-la bien. Je vous laisse une minute de concentration. Une minute de concentration. Je sais que vous regardez papa bien.
dire à Jocelyne que Jocelyne la question le petit oyo kola et sa mobali na yo oli maye pour les kabiso obika qui non li wa ikosi avec des noms Jocelyne ma fille au nom de Jésus le roi de l'univers. Amen. Je te remets cette alliance. Amen. C'est votre union. Amen. Avec ton mari. Amen. Et moi qui représente ma famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je le répète, cette alliance est bénie. Amen. Tu es parfaitement béni. Je te le remets pour que tu donnes à ton mari. C'est votre alliance éternelle. Bonjour Lena Josie, beaucoup à la libéra qui nous voit au Cabola Pino. Vous allez parler à votre fils. Dites-lui tout ce que vous pouvez me dire en lui remettant cette alliance. Et lui dire qu'il puisse aimer Alima Josie. Pour les cabines, pour les quand même maman aïe mon beau. Je te remets cette alliance que tu vas porter à ta femme, que nous avions vraiment connue, et que nous, la famille, avons pratiquement accepté ce mariage. Nous pensons qu'à travers la prédication que nous avions suivie, tu rendras cette femme heureuse. Et quand tu rendras cette femme heureuse, nous, la famille, nous serons très très contents pour toi. Amen. Que cette femme soit pour toi un bonheur. Amen. Éternel. Amen. Le pasteur a dit faut avoir l'écoute, l'entendre. Tout ce que je peux te dire, c'est de rationaliser et de matérialiser la prédication de ce matin pour que la famille soit toujours une famille de bénédiction. Dans cette alliance, tu vas porter à ta femme avec tout ton amour, avec tout ton cœur. Tenir
le moment fort est difficile. Si c'est oui, tu diras oui par la grâce des yeux. Oui par la grâce des yeux. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Maintenant, Borjolin, que ton cœur parle en faisant mettre cet anneau. Tenez-la. Tenez-la, Borjolin. Tiens-la, tiens-la. Tu vas y aller. Tu as tout ce que tu peux dire. Tout ce que tu peux dire, c'est possible. Et ton cœur, c'est le célibataire, calme. Mais célibataire, je ne peux même pas écouter un son. C'est mon cœur qui va parler maintenant. Vous venez de dire déjà, moi je ne sais quoi ajouter, sauf ajoute. Je t'aime et je t'aime au bout, je ne serai jamais à toi. Qu'aujourd'hui, qu'ils s'éteignent.
le mécontentement. Parce que tu dis, ce qui sera lié sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous lions ici aujourd'hui, Seigneur, je déclare, au travers de ton sang précieux, que cela est scellé. Seigneur, je scelle ce mariage au nom puissant de Jésus, au travers du sang de l'agneau, par la puissance de ton saint nom. Seigneur, viens au secours de ces couples. Pendant que les vents vont souffler, pendant que les bruits, les secousses viendront, deviennent leur secours au temps de la détresse. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Plusieurs disent, et c'est certainement comme ça, plusieurs disent, vous venez mariage à mon père, ça va être encore pour vous, il est vrai. Parce que c'est toi qui vas maintenant entrer comme chauffeur, qui va conduire. Je suis en train de te voir conduire un grand véhicule. Je suis en train de te voir, ça c'est une prophétie, hein. Je suis en train de te voir dans un véhicule en train de conduire. Si vous n'avez pas ça aujourd'hui, que le Seigneur vous le donne. Parce que c'est toi qui vas conduire ce véhicule du mariage. Tani Sabisson, est-ce que tu peux embrasser la main? Oh,
certificat de mariage, il est écrit que c'était pour un baptême, donc c'est notre premier mariage. Il est écrit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent. Monsieur, marquez vos bourgeois originaires de Congo central, il nous sert cher. Et l'homme ne sait pas donc ce que Dieu a joint. Mais la cité de la gloire Kinshasa, le 28-11-2020, apôtre Alain Ikati. On va commencer par le pasteur, hein.
dimanche. Au nom de Jésus, amen. Allons tous en paix, que Dieu vous bénisse. Les parrains sont en train de sortir en rythme de la chorale. Gracias.